Pas d'incendie de forêt à l'horizon, mais un véritable baptême du feu pour ces deux canadairs. Ce matin, au port d'Ampuy, ces avions bombardiers ont effectué pour la première fois des essais d'écopage sur le Rhône. Un test qui permettra de faire de cette zone un point de ravitaillement qui manquait au service de secours du département. Ravitaillait soit au sud de Mâcon, en Saône-et-Loire, soit dans le secteur de Andance, dans la Drôme. Ce qui fait que les délais de rotation sur le feu pour larguer l'eau étaient un petit peu plus importants. Aujourd'hui, si le secteur est homologué, les rotations seront plus courtes. Lancés à plus de 200 km/h, ces avions bombardiers peuvent charger jusqu'à 6000 litres d'eau, et pas seulement en cas de feu de forêt. Le risque feu de forêt n'est pas le risque prédominant du département du Rhône. Par contre, on remarque tous les ans que nous sommes confrontés à des feux, parfois des feux importants qui nécessitent un nombre important de sapeurs-pompiers au sol et d'avions bombardiers d'eau ou l'implication de l'hélicoptère de la sécurité civile. Les deux canadairs qui appartiennent à la sécurité civile de Marignane ont aussi effectué des tests sur la Saône au niveau de Villefranche. Bilan, examen de passage réussi puisque les deux sites devraient être homologués dans les mois qui viennent.